Bienvenue dans la première consultation pour une augmentation mammaire par prothèse. Avant l'intervention, lors de la première consultation, on va se voir entre 35 et 45 minutes. Cette consultation-là, elle est extrêmement importante. Tout d'abord, je vais vous questionner sur vos antécédents médicaux et aussi je vais vous questionner sur votre rapport à vos seins, très important. À la suite de ça, je vais vous examiner et ensuite, on va faire une modélisation 3D de vos seins. Ça va nous permettre de venir faire des simulations avec des prothèses sur un petit appareil 3D. Comme ça, vous pourrez aussi voir un petit peu le résultat qu'on peut attendre et le résultat qu'on ne peut pas attendre. Bien garder en tête que lors de cette première consultation, on va tout mettre en place. Tout d'abord, je vais vous prescrire une prise de sang et une mammographie pour bien que tout soit cadré avant l'intervention chirurgicale. À la fin de la consultation, je répondrai bien sûr à vos questions et je vous donnerai un devis. L'intervention en elle-même se réalise dans une clinique parisienne du 14e arrondissement de Paris. Le matin de l'intervention, vous arrivez à la clinique et vous rentrez dans votre chambre et vous vous préparez. Vous descendez au bloc opératoire, l'infirmière anesthésiste vous pose une perfusion, on vous pose beaucoup de questions, ce sont des checklists. Les questions sont très simples, ce sont des questions auxquelles on a déjà les réponses. À la suite de ça, l'anesthésiste va vous endormir, l'intervention dure une heure sous anesthésie générale. Vous vous réveillez en salle de réveil avec le soutien gorge de contention et des pansements. Et ensuite, vous remontez dans votre chambre. La sortie de la clinique se fait le soir même, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous chercher à la clinique pour rentrer chez vous. C'est obligatoire. Après l'intervention, dès le lendemain, vous vous réveillez, vous enlevez le soutien gorge de contention, vous enlevez vos pansements et vous prenez votre douche. Je vous prescrirai un gel douche qui est pH neutre et qui va vous permettre de nettoyer vos cicatrices. Il ne faut pas en avoir peur. À la suite de cela, vous allez désinfecter votre cicatrice quotidiennement durant 15 jours et ensuite vous mettrez votre soutien-gorge de contention. Le soutien-gorge de contention est à mettre durant 6 semaines après l'intervention, jour et nuit. Je vous conseille d'en acheter deux différents, comme ça vous pouvez les nettoyer. Dernière chose, après l'intervention, vous ne pouvez pas faire de sport durant un mois, pas de bain, de mer ou de piscine durant un mois. Bien sûr, vous me reverrez en consultation à 2 semaines, 3 mois, 6 mois et 1 an.